De la Chkoumoun qui se sapait de courant d'air et qui prenait pour un steamer la compagnie Blondin, un clown. Au panier qui, la langue au pas, en plein hiver, mangeait des nèfles, à ceux pour qui, dessous de trèfle, s'avalait une cravena. À cela, je laisse la fleur de mon désespoir en aller, maintenant que je suis paré et que je vais chez le coiffeur. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot, voit la lune qui te cafarde, cette américaine moucharde qu'ils ont vidée de ton pipeau, qui t'ont pelé comme un mouton avec un ciseau à surtaxe, progressivement quand tu maxes, tu belles, à tout va la chanson, et n'achète plus que du vin encore, que la nuit venue, y a ta cavale dans la rue qui hennit, en te klaxonnant le droit à la loi, la foi et toi, et une éponge de vin sûr. Ton Beaujolais qui fait le mur, et ta pépé qui fait le toit, et si vraiment Dieu existait, comme le disait Bakounine, ce camarade vitamine, il faudrait s'en débarrasser. Tu traînes ton croco ridé, 60 berges dans les flancs, et tes chiens qui mordent dedans, le poteau rif de l'amitié, un poète. Ça sent des pieds, on lave pas la poésie. Ça se défenestre et ça crie aux gens perdus. Des mots fériés, des mots oui, des mots comme le nouveau monde, des mots venus de l'autre côté de la rive, des mots tranquilles comme mon chien qui dort, des mots chargés des lèvres constellées dans le dictionnaire des constellations de mots. Et ce bonnet noir que nous mettrons sur le vocabulaire nous fera un séminaire particulier avec des grammairiens particuliers aussi et chargés de mettre des perruques aux vieilles bouffiasses littéromanes. Il importe que le mot amour soit rempli de mystère et non de tabou, de péché, de vertu, de carnaval romain, des draps cousus dans cela sont dans l'objet de la policière voyance ou voyerie. Nous mettrons de longs cheveux aux prêtres de la rue pour les appeler désormais monsieur l'abbé Rita et Wart, monsieur l'abbé, bébé Fricotti, Fricotta, et nous ferons des prières inversées et nous lancerons à la tête des gens des mots sans culotte, sans bande à cul, sans rien qui puisse jamais remettre en question la vieille, la très vieille et très ancienne des mots des querelles du « quand diront-ils mais » du « je fais quand même » mes cochons c'était en toute quiétude sous prétexte qu'on m'a béni et que j'ai signé chez monsieur le maire de mes deux mairies, alors que ses enfants dans les rues sont tout seuls et s'inventent la vraie galaxie de l'amour instantané, alors que ses enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront, alors que cela est indéniable, alors que cela sera de toute évidence et de toute éternité, je parle pour dans 10 siècles. Et je prends date, on peut me mettre en cabane, on peut me rire au nez, ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour
et à l'insurrection. Yes, I am un immense provocateur des armes et des mots. C'est pareil. Ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs, courbes. Comme tu voudras, il faut mettre Euclide dans une poubelle. Mettez-vous bien dans la courbure, c'est râpé vos trucs et manigances, vos démocraties, où il n'est pas question de monter à l'hôtel avec une fille si elle ne vous est pas collée par la jurisprudence. C'est râpé, messieurs de la romance. Nous sommes pour un langage auquel on entre avec eux, quick. Nous sommes des chiens. Et les chiens, quand ils sont en compagnie, ils se dérangent. Et on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de bonne volonté. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous certaines chiennes. Qu'est-ce qu'elles sont faites pour ça? Et pour nous, nous aboyons avec des armes dans la gueule, des armes noires et blanches, comme des mots noirs et blancs. Noirs, comme la terreur que vous assumerez, blanc, comme la virginité que nous assumons. Nous sommes des chiens. Et les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se dérangent, ils se décolliérisent et posent leur os comme on pose sa cigarette lorsqu'on a quelque chose d'urgent à faire, même, et de préférence si l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la margoulette. Je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse, je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien. J'étais tout petit, j'avais 4-5 ans. Et je dirigeais des orchestres imaginaires dans la rue. C'était une rue, pas. Les voitures ne passaient pas. J'habitais à Monaco, puisque je suis de là-bas, et près du palais princier, il y avait une grande horloge, et puis il y avait ce qu'on appelle les remparts. Maintenant, c'est foutu parce que les voitures passent. Ça a changé, que tout change, c'est ignoble. Mais j'étais dans la rue, je dirigeais des orchestres imaginaires. C'était donc en 21-22, vous savez, les radios, ça courait pas les ondes. Hein. Je ne connaissais pas la musique, je n'entendais pas, puisque j'allais pas encore à la cathédrale, puisque j'étais trop jeune pour chanter à l'église, mais j'avais écouté peut-être la musique de bal l'été, comme ça. Et puis j'inventais des musiques, je m'en souviens très bien maintenant. Je chantais, donc je dirigeais. Je dirigeais, je disais, attention, comme ça, le trombone ou le trompette, c'est pas comme ça. Alors j'allais à sa place, que j'imaginais, puis je dis, voilà, on dit comme ça, il faut pas se tromper, il faut faire un papapa, comme ça. Bon. Et je pensais que tous les gens allaient manger, marcher, danser, aller au bain, et chanter, et diriger des orchestres. Et un jour, je me suis aperçu, un peu plus tard, que j'avais ce défaut, cette qualité, je ne sais pas, en tout cas cette maladie particulière que d'autres n'avaient pas, la musique, et je me suis caché. Souviens-toi des souliers usés, des vendredis et le poisson qui se rendait sur la table à midi, qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli, vrai ou pas le maquereau, faut sa face, des chichis. Souviens-toi des jeudis et de la mer Larousse et le frangin à rabat comme un flic à tes trousses et ta plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à ta merci. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui. L'enfance, c'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson des rues. L'enfance, l'enfance, c'est un jouet qui s'est arrêté, c'est une innocence rapiécée, c'est toujours ça passé. L'enfance,
Souviens-toi des frangines qu'avait même pas 10 piges. Dans la nuit retrouvée, on jouait à se faire la pige, même qu'elles étaient girondes, avec leurs yeux barrés, juste en dessous comme une ombre, comme le phare du péché. Souviens-toi des silences au fond des corridors et ce halètement divin, je l'entends encore. Depuis la nuit fidèle, à me raconter tout ça et cette foutue mémoire qui me tient par le bras. L'enfance, c'est un pays plein de chansons, c'est le remords de la raison, c'est la folie aussi. L'enfance, c'est l'enfer sous le tableau noir, c'est Tahiti dans un dortoir, c'est l'âme de la nuit. L'enfance, c'est un oiseau qu'on a manqué, c'est un chat qu'on a chahuté, et c'est la cruauté. L'enfance, l'enfance, c'est jour après jour quitter l'ombre et vers la proie et vers le nombre. C'est apprendre à frapper. L'enfance, souviens-toi des bonbons et puis du Père Noël, de la toupie qui tournait, 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 qui tournait. Léo, c'est quelqu'un qui a besoin, qui puise certaines de ses émotions dans son passé, notamment dans son enfance. Mais comme c'est quelqu'un qui vit toujours le lendemain, qui a toujours plein de projets, je crois que son passé n'est qu'un prétexte, en fait, pour ressentir des choses et aller plus loin. Enfin, c'est l'avenir qui l'intéresse, Léo. C'est pour ça aussi qu'il est jeune. C'est une des caractéristiques. Donc, quand il parle de son enfance... En tout cas, c'est jamais avec nostalgie ou... il est très lucide à ce niveau-là. C'est aussi, des fois, pour puiser un peu de la graine de révolte. Quand il parle du collège de Bordighera, c'est toujours pour se ressourcer dans la contestation. Hein, parce que c'est une période où il a été solitaire, où il n'a pas été malheureux. Léo dit, si être malheureux, c'est pas manger à sa faim, il n'a pas été malheureux. Mais il était solitaire et il a appris là un petit peu la misanthropie. Si tu n'as jamais vu le frère des écoles chrétiennes, même dans un bocal, il faut y aller, il faut les voir. Hein. Ça vaut le coup, hein. Comment, hein. Ça vaut le coup. Et alors, ma mère me dit non, madame! Cher frère, voilà cher frère, je vous apporte Léo Ferré. Non madame! Ma mère me regarde, je la regarde, elle me regarde, je la regarde, je la regarde, je la regarde. Léo 38! J'ai compris. Là. J'ai mis un peu de temps. Pendant 8 ans. Je me suis appelé 38. Au début, ça faisait drôle. Et après, je me suis fait parce que il y avait élevé les autres. Il y en a un qui s'appelait 17, l'autre qui s'appelait 22. Il y en a un qui s'appelait 177. Et puis, il y en a un qui est. Pourtant, il était con, hein. Qui avait poussé la prescience jusqu'à s'appeler 68. Ah. Il a commencé par écrire des musiques. Ensuite, il s'est mis à écrire des textes, parce qu'il ne trouvait pas de texte qui lui convenait. Il s'est mis à écrire ses propres textes. Et puis, il a d'abord cherché à, comme on faisait beaucoup à l'époque, il a d'abord cherché à vendre ses chansons, et personne n'en voulait. Et c'est Piaf, en 1946, qu'il avait rencontré à Monaco, qui lui a dit, Léo, monte à Paris, va tenter ta chance à Paris. En 1946, il est monté à Paris. Ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume ou qui ne vivent pas. C'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume
avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leurs sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois, compagnons de misère, et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, mais l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous. Comme si l'on mettait au fer un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans l'égout. On sentait qu'il avait une revanche à prendre. Et ça, alors, c'était très évident. Dans son tour, dans le ton de ses chansons. Et en plus, il y a des gens qui se font au fur et à mesure dans ce métier. Il y a des gens qui prennent, en prenant de la bouteille, enfin en vieillissant, ils s'améliorent. Léo, il arrivait avec un génie tout près. Enfin, je veux dire, il y avait plus de progrès à faire. Et il était inquiétant, il était à son piano, il avait ses petites lunettes cerclées de fer, comme ça. Puis ses petits yeux qui vrillaient. Et c'était un personnage grinçant, plus grinçant que maintenant. J'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé pour courir le guilletou près de la Seine. On est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient fusarder chez nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser, mais c'est raté. C'était difficile pour le public de certaines boîtes, je veux dire, ce qu'on appelait les boîtes de nuit à l'époque. Bon, lorsque c'était des petites boîtes rive gauche comme chez Francis Claude, c'était formidable pour lui, il y avait un public très réceptif et des fidèles déjà. Et puis dans les boîtes, ce que j'appellerais à Champagne, c'était quand même beaucoup plus difficile parce que... à travers ses chansons, il attaquait directement un peu le public qui était là. Le cabaret, c'était très, 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 très difficile pour des gens comme lui. Enfin, bien sûr,
L'époque était encore, disons, ce qu'on appelait joyeusement le chanteur de charme ou la chanteuse dite réaliste. Et c'était pas tout à fait le public qui convenait à Léo. Lui, il se penchait complètement sur ce genre. Ah bah oui, bien sûr, oui. Ah, lui, il faisait aucune concession. Copains de la neige, les frangins de la night, ceux qu'ont le portefeuille, plus ou moins all right, ceux pour qui la mouise, ça fleurit que le jour, qu'on le rouquin en guise de frissons d'amour. Les copains de cocagne, ceux qu'ont des fafios, et qui font des magnes à la veuve Clicquot, ceux qui comptent les heures sur leurs pattes en velours, et qu'ont une demeure pour y planquer le jour. Et les copains de la farce qu'ont même pas de buffet pour y foutre une garce ou pour y danser, ceux qui poussent la lourde des minuits passés et qui n'ont comme gourde que celle du taulier. Et les copains de la frime, ceux qui vendent le vent à des prix minimes quand il y a du client, ceux qui ont la vie brève comme la fleur des champs et qui vivent en rêve pour gagner du temps. Il est arrivé, il avait déjà tout son monde, son écriture était d'une perfection extraordinaire. Moi, c'est une des choses qui m'a frappé chez Léo, c'est la façon de jouer avec les mots, la façon de jouer avec la langue. C'était une langue superbe. Et à chanter, c'est un régal pour l'esprit, pour l'intelligence de chanter des choses de Ferré, parce qu'on joue avec les mots, on joue avec les idées, il y a des raccourcis, il y a des fulgurances comme ça, c'est un grand poète. Nos plus beaux souvenirs fleurissent sur les temps, dans le lointain château d'une lointaine Espagne. Ils nous disent le temps perdu, oh ma compagne, et ce blanc nénuphar, c'est ton cœur de 20 ans. Un jour nous nous embarquerons sur les temps de nos souvenirs et referons pour le plaisir le voyage doux de la vie. Un jour nous nous embarquerons, mon doux Pierrot, ma grande amie, pour ne jamais plus revenir. Alors, où sera lumineux mon ami? Il s'intéresse à tout, il s'énerve, il est content, il n'est pas content. Il est vivant, c'est un homme du Sud. Il s'amuse à être en colère. Avec moi, il s'amusait des fois, il crie après des gens, puis il me dit « Ça se voit que je suis en colère !» Je dis « Ouais, mais on voit que c'est pas vrai. »« Toi, tu le vois, mais les autres ?» Je dis « Non, n'aie pas peur, continue. » Il croit que c'est vrai, quoi. C'est un comédien terrible, Léo. C'est un grand comédien. Léo, il ne sait pas. C'est pas simplement une heure de méditation entre deux tranches d'orange. C'est quelqu'un qui vit, hein. Quand il s'attaquait à un système social, il s'attaquait à mort à ce système. Pour les étoiles que tu sèmes dans le remords des assassins, et pour ce cœur qui bat quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens, pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien. Thank you, Satan. Thank you.
prêtre qui s'exaspère à retrouver le doux agneau pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you, Satan. Tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul, quand elle est moche, on s'habitue, on se dit on est pas mal foutu, on bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime, qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps, qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent, et puis on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend, et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule, qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois de ses boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace. Quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans, tout est foutu. Alors, on maquille le problème. On se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans. Je trouve qu'il n'y a que l'invective qui peut être concevable pour un artiste. Je parle aussi bien pour un peintre. Quand Gauguin invente le mauve, au moment où il n'y a pas de mauve, c'est l'invective, c'est du refus. Il faut dire non, 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 toujours non. Même quand il faut dire oui, il faut dire non. Alors là, on gagne, parce qu'on essaie de convaincre les gens. Je ne sais pas si c'était Nietzsche ou Dostoïevski qui disait « Deux et deux font quatre, c'est pas mal, mais deux et deux égale cinq, c'est intéressant. Hein » Mais ça rejoint quoi? Ça rejoint la physique nucléaire, ça rejoint tout ce qu'on connaît pas, ça rejoint les parallèles qui sont rejoints depuis longtemps dans le cerveau de ce grand poète qui s'appelait Einstein, qui a été aussi un homme seul, parce que lui, c'était aussi un grand poète. Et c'est pour ça que je dis que je suis un provocateur. Mais je provoque, parce qu'il faut provoquer les gens qui voudraient bien provoquer, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas l'occasion, parce qu'ils sont lâches, parce que des fois, ils sont pas lâches, mais ils peuvent pas, parce qu'ils ont des mots à la maison qu'il faut nourrir, alors ils ont un patron sur lequel ils sont ployés, cela, là. Moi, je dis plus émerger maintenant, je dis émerder. Hein? Et bien, ça explique tout le privilège que j'ai de l'invective, de la provocation. Je dis, je suis un provocateur. Ben oui, je suis un provocateur. Et je suis fier de l'être, et je le dis, et j'en rajoute, parce que c'est mon seul problème, mon seul métier, c'est de provoquer les gens à l'intelligence. On traçait pour ton bien ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher, les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens avec leur
aux yeux fardés, d'horaires et de rêves, regarde-la se taire, aux gorges du printemps, avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braqué sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise, et qui va à la messe, regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant, et dis-tu des fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier, dans les couloirs glacés de la nuit conseillère, et l'amour qui se lève à l'université, et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde-la flâner dans l'œil de tes copains, sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains, qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braqué sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux d'oppression. Mes nouvelles chansons sont inspirées, enfin inspirées, pas de l'inspiration, je veux dire, sont dictées par les événements importants qui se sont produits en mai 68, qui sont aussi importants, sinon plus importants que les événements de 89. Et alors, je pense que dans ce sens-là, mes textes s'en ressemblent, sûrement. J'ai ouvert une porte et j'ai trouvé derrière cette porte d'un public de, en général, entre 15 et 22 ans, 25 ans maximum, parce qu'ils ne me connaissaient pas avant, tous ces jeunes. Et puis, il y a eu cette porte, et puis derrière cette porte, j'étais là, puis ils m'ont vu, je crois que c'est ça, en définitive. Ces événements ont contribué à me faire connaître, je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'ai toujours dit ce que je dis depuis 20 ans. La cigarette sans cravate, sur ma loge démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur qui prend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni même. Fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. De justice, et qui pousse dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'il n'en peut être ni.
ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Ouais. Il chante le quotidien, il chante l'homme, il chante l'humanité, il chante tout ce qui n'est pas très, très beau à voir, il chante tout ce qui est beau à voir. Enfin, c'est, pour moi, Léo Ferré, c'est un des grands de la chanson, pas seulement d'aujourd'hui, mais même de toujours. Je me rappelle, j'étais il n'y a pas longtemps à un concert de lui à Beauvais. Je me rappellerai toute ma vie. On ne peut pas le raconter, on ne peut pas, avec des mots, on ne peut pas raconter ce qui s'est passé ce soir-là dans ce concert. Comment, de la première chanson à la deuxième, troisième, à la cinquième déjà, on était, je sais pas, il nous a emporté faire un grand voyage dans la vie, quoi, c'est ça. Et quand je me rappelle, j'étais avec des amis, quand on est sorti, finalement, on trouvait n'importe quoi. Tout ce qu'on rencontrait devant nous devenait beau. La vie, elle redevenait belle parce qu'on a eu en face de nous quelqu'un qui l'a exprimé, quelqu'un qui l'a capté et qu'après qui nous l'a redonné, il a su nous injecter un espoir dans la vie, dans les choses. Alors on était heureux. Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur, les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Et... Allez, viens. C'est facile pour moi de te dire, viens, moi ce soir j'ai fini. Demain, je m'en vais. Je retourne en Italie, dans ma maison. Et alors, ça a l'air d'être comme ça. Alors viens, on dit aux gens, allez, viens, puis tu vois, on s'en fout, hein. Mais là, il y a peut-être un moyen, c'est pas sûr, mais je t'apprendrai. Il y a peut-être un moyen pour que tu viennes avec moi dans un pays fantastique, absolument méconnu. Il est connu actuellement par moi, comme ça. Je le dis pas. Je le dis qu'aux gens qui viennent m'écouter chanter. Et alors, là-bas, ce soir, quand tu partiras, quand tu rentreras chez toi, quand on aura fini avec toutes tes manies, s'il y a des manies, essaye de les supprimer, mais enfin des fois, les manies, c'est très long à supprimer. On met un peu son temps, quoi. Quand on aura fini avec ta dernière cigarette, avec ton chat, si t'as un chat, quoi. Avec ta femme, si t'as une femme, avec sa chatte, si elle a une chatte. Quand on aura fini avec tes mômes, avec tout. Quand tu plongera dans cette mort figurée qui est le sommeil. N'oublie pas, tu es né tout seul, tu meurs tout seul entre les deux. Et il y a des faits divers que je te souhaite de choisir, parce que la plupart du temps, ces faits divers, ils te sont imposés. Alors, fais tout ce que tu peux pour garder tes faits divers à toi. De toute façon, tu es né tout seul, tu meurs tout seul. Entre les deux dates, je disais, il y avait des faits divers. Alors, quand tu as éteint ta lampe, t'es vraiment seul, hein, vraiment seul. Et alors, à ce moment-là, t'appuies sur tes paupières, comme ça, et puis, tu verras, au bout de 10 secondes, t'as dû le faire quand t'étais petit, on te l'a fait faire, ça. Il y a des couleurs, tu lâches ta main, il y a des couleurs qui t'apparaissent. Fantastique, et puis, c'est pas celle-là. Il faudra les regarder, mais avec une autre couleur que tu ajouteras, pas n'importe laquelle, du mauve. Non pas comme le mauve des lilas, non. Non pas comme le mauve de la glycine, même le mauve de la bruyère, même quand elle est d'Apollinaire. Non, le mauve qui se trouve derrière les yeux de ton camarade.
le monde qui se trouve derrière les yeux de ta camarade, à l'instant, à l'éternité de l'instant de l'amour. Il est difficile de parler de ces choses-là. Les gens ne comprennent pas, mais l'anarchie, c'est une notion humaine d'abord. C'est d'abord l'amour et puis c'est la solitude. Parce que l'anarchie, c'est la négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne, je pense. Et je pense que c'est très noble. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit venu me dire « Monsieur, j'aime particulièrement et singulièrement les bouts de pied au nantes. » Donc les gens, s'ils savaient ce que c'était que l'anarchie, les gens seraient anarchistes. Comme ils sont amoureux, voilà. C'est l'amour, c'est la liberté, c'est le refus de commander, d'être commandé. Quand nous en serons autant d'énergie, c'est pas pour demain. D'abord, s'il doit y avoir révolution, c'est là-dedans qu'il faut qu'elle se fasse. La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe où je meurs. De ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe, un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port. De justesse, il pleure de m'enfuir, maman, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet. Où lui c'est le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi le chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des démons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux ras au ras des rocs qui se consume au l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis avec ses pâleurs de rescousse et le squale des paradis dans le matin mouillé de mousse revient. Fille verte des fjords revient, violon, des violonnades dans le port, fanfare les corps pour le retour des camarades. Parfum rare des salants dans le poivre feu, des gerçures quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen, les coquillages figurant sous les sunlight cassés liquides, jour de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc copain, où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meuglent. Cette rumeur me suit longtemps comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage rousse, un vient battre comme une porte, cette rumeur qui va debout dans la rue. En musique morte, c'est fini la mer, c'est fini
sur la plage, le sable belle, comme des moutons d'infini. Quand la mère bergère m'appelle, piano lì, la misura. E qui più lento, eh? La musique. Ça m'empêche d'être totalement incroyable. Ça m'empêche d'être tout à fait incroyable. Une espèce de paradis extraordinaire qui vient après la galère, c'est-à-dire donner, je le disais l'autre jour, donner la vie avec des musiciens vivants à la chose écrite et morte. Ça, c'est incommunicable. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, des mots, j'ai lu le disque, j'ai écouté les deux faces dans ce silence absolu. Et c'était incroyable, il y avait un homme qui était en train de me parler et de me dire des choses qui pour moi, enfin à ce moment-là en tout cas, étaient capitales, étaient vitales. Et tout ce qu'il était en train de dire, mot, phrase par phrase, quoi, je le recevais comme un homme qui me parle à moi, comme un ami qui te parle d'une façon sans concession, sans flatterie, qui te parle vraiment. Et qui, je me rappelle que j'en ai reçu une émotion très très intense. Et quand ça s'est arrêté, je suis resté dans le silence de cette maison et j'étais vraiment, tu vois, j'avais reçu. Et c'était d'une grande grande force. Je dis ça parce que chaque fois cet homme m'injecte cette force-là, une force morale, une force humaine. Une force poétique, une façon d'affronter la vie qui te donne une dimension beaucoup plus vaste que le lieu commun. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé. Qui s'en va faire sa nuit avec le temps. Tout s'évanouit avec le temps.
avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça t'a une de ces gueules à la galerie Chouarfou, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'eau tranquille, on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, il y a aussi deux sortes d'hommes. Les gens qui sont dignes. Les gens qui ne se prosternent jamais. Et les autres. Pour le chiffre évadé de la calculatrice. Pour le regard du chien qui veut te pardonner. Pour la légion d'honneur qui sort de ta matrice. Pour le salaire obscène qu'on ne peut pas montrer. Pour la haine grimpant du fond de l'habitude. Pour ce siècle imprudent aux trois quarts éventés. Pour ces milliards de cons qui font la solitude. Tout ça, le silence.